De retour au Maroc, pour parler de l'aide sociale directe du gouvernement. Les ménages qui souhaitent en bénéficier peuvent s'inscrire depuis samedi dernier sur le portail électronique www.asd.ma. Les personnes désireuses d'en profiter peuvent déposer leur demande après l'enregistrement au registre national de la population et au registre social unifié. Quels sont les critères d'éligibilité et comment s'inscrire sur la plateforme? Élément de réponse avec Driss Aissaoui, analyste politique et économique. Il était l'invité de la matinale sur Médian TV. Quand vous vous inscrivez, on vous accorde un nombre de points qui doit être suffisant pour mériter justement que l'on vous serve cette aide sociale directe et qui commence bien entendu à partir de ce mois de décembre 2023. Et ce n'est pas une aide qui concerne une partie de la population à l'exclusivité des autres. Quand on dit chef de famille, chef de ménage, c'est la conception statistique du terme. Le chef de ménage, c'est celui qui s'occupe de toutes les dépenses consacrées au ménage, à la famille. Alors, maintenant, les points peuvent augmenter en fonction de la nature et de la qualité des enfants pris en charge. S'ils sont dans une situation à besoins spécifiques, c'est-à-dire des handicapés, vous avez plus de points. S'ils n'ont pas justement ce genre d'enfants, ils reçoivent moins de points, mais en tous les cas, aujourd'hui, le site est disponible. Il est en langue arabe dialectale, très simple d'accès, et il n'y a aucun frein pour cela. D'autant plus qu'il y a des spots télé, des spots, il y a des images et des gens qui parlent la langue de tous les jours avec les citoyens pour leur permettre de s'inscrire dans ce registre-là et pour justement permettre à l'État d'identifier et de repérer les gens qui vont bénéficier de cette aide. Alors, il y a des conditions. Alors, les conditions, c'est quoi? Il faut être titulaire d'un compte bancaire. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bénéficier des 500 dirhams ou des 1000 dirhams si vous n'avez pas un compte bancaire. Donc, il faudra vous inscrire et avoir un compte bancaire que vous allez renseigner sur la plateforme dont on a parlé tout à l'heure. Et en plus, il faut avoir le moyen de justifier la situation de vos enfants. Et ça aussi, ça existe sur ce site et on vous explique comment le faire, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'aide sociale directe, elle est encadrée par toute une population de jeunes marocaines et marocains qui sont, disons, préparés et entraînés à recevoir ce genre d'informations et ils le traitent très rapidement. Je vous ai dit que le maximum pour répondre après vous être inscrit sur ce site, vous recevez dans moins de 30 jours une réponse à votre demande et à votre requête.